Tout le monde connaît la soul guitare, le Scaboucha, le Serpent Bow, ainsi de suite. Tout le monde, en gros, connaît les meilleurs guns. Ouais. Parce que les gens, ils ont l'habitude de les utiliser. Et si je vous disais que aujourd'hui dans cette vidéo, on ne va pas essayer de jouer le gun le plus toxique, mais on va plutôt faire le contraire. C'est de jouer le gun le plus jamais utilisé en PvP. C'est une fameuse gun qu'on peut trouver que au premier monde. Au premier monde, il y a un NPC spécial à Middletown qui s'appelle Weapon Dealer. Oui, ce NPC, il vend ce fameux gun, c'est le Slingshot. Ouais, en plus, moi, je l'ai masteré un... Parce que je ne l'ai aussi jamais utilisé. La vie de ma mère, on s'en bat les couilles. Ici, c'est le premier monde. Et ici, c'est Middletown. Le NPC, il se trouve ici. Cette fameuse NPC de laquelle on peut venir directement pour pouvoir acheter le Slingshot qui coûte que 5000 berries. C'est pas vraiment énorme. En plus de ça, il y a aussi d'autres guns. Ouais. Il y a une gun qui s'appelle la mousquette qui coûte 8000. Et aussi le dernier gun qui s'appelle le Flintstool. Hein? Le Flintstool. Le flintlock. Par exemple, là, je me dirais, hop, je claquerai des doigts et puis je pourrais aller visiter le polonopèse. Vraiment, j'ai jamais utilisé cette gun, c'est un truc de dingue. Et le pire dans l'histoire, c'est que je les ai déjà tous achetés sans jamais les utiliser. Ils sont tous les trois là. Celle-là. Dans cette vidéo, le but, ça va être de pouvoir le monter masteré 600. Je pense que ça va être vraiment l'une des pires vidéos que je vais faire de toute ma carrière de YouTube. Parce que je sais que farm des trucs, c'est long. Mais farm le gun le plus nul du monde entier, franchement, ça va être long. En plus de ça, je dois PVP avec ce gun. J'ai déjà fait une vidéo de PVP, mais avec le meilleur gun en tant que gun user. Mais là, je vais devoir faire une vidéo avec le pire gun. Et en plus de ça, je dois farm cette gun sans utiliser la Rastiborg. Parce que ces temps-ci, j'ai vraiment perdu trop de fragments en force de changer de race. Ouais, maintenant, il m'en reste plus que 64 366. Un jour, il faudra bien qu'on fasse une vidéo dans laquelle on va devoir augmenter nos fragments. Aujourd'hui, notre fameuse objectif, c'est de farm cette gun. En temps normal, c'est ici que je viens tout le temps dans mes vidéos pour farm. Oui, je pense que vous reconnaissez cet endroit. Il est bien soigné pour farm, mais sauf que dans cette vidéo, je ne pourrai pas farm ici parce que je n'ai pas équipé la race cyborg. Mais aussi, le pire dans l'histoire, c'est que je viens de remarquer que j'avais besoin de certains matériaux. Et les matériaux, c'est les fameux os, celles que vous appelez les bonnes. Ouais, ceux-là, j'en ai que 15. Et je me suis dit, pourquoi ne pas farm les deux en même temps? Donc, en venant ici à Haunted Castle, ici, je pourrais les avoir tous les deux. Ouais, non seulement je pourrais farm ça, le Slingshot, mais aussi je pourrais obtenir des bonnes en tuant des mobs. Ouais, en plus ici, étant donné que c'est le meilleur endroit pour obtenir des bonnes, je me vends mal à les farm dans un autre domaine qu'ici. C'est bien beau tout ça, mais il faut savoir quand même que j'ai oublié de mettre mes stats dans le gun. Mais étant donné que j'ai perdu trop de fragments à force de changer mes stats, je me suis dit que le mieux, ça serait juste d'appuyer ici. Comme ça, je change mes stats avec un seul clic. Donc là, on va mettre directement... tout sur gun, on va mettre aussi tout sur la ward et tout sur la défense, c'est ça? Bon, pour obtenir de l'énergie, on va équiper Kitsune Ribbon. Tu peux avoir beaucoup d'énergie, t'en as environ 2000. On va prendre les quêtes ici, voilà. On va prendre toujours la première quête, ça nous sera peut-être très utile. On va commencer à frapper les mobs, on leur fait que même pas 500 dégâts, oui. J'ai oublié un truc très important, c'est de mettre la meilleure sword aussi. Voilà, on va mettre la Darkblade. Bon, il faut d'abord qu'on tue un seul mob, comme ça on va avoir beaucoup de stats d'un coup. Alors, je le touche à peine. Let's go! On a... Wesh! Wesh! C'est quoi tous ces trucs? Ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 60. J'avoue, je pense que si j'avais tué le boss de Big Mom, j'aurais pu aller jusqu'à 160 en vrai. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts, mais... Ok, let's go. Wesh. Allez, hop. Hop. On lâche ça. On lâche ça. Boum. Ok, on vient d'obtenir environ 105 masteries. Bon, les 100 premiers masteries, ils sont très faciles à avoir. Mais les autres masteries, ils vont pas être faciles. Je sais que ça va être très long. Je vous mettrai aussi le timer à la fin de cette vidéo. Combien de temps ça m'a pris de farm sans utiliser la Rastiborg. Oh, maintenant que ma quête elle vient de finir. Oh là, toi tu vas me lâcher, oui. Lâche-moi, 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 lâche-moi.
Voilà, enfin je les ai tués. Et c'est super galère en fait pour les tuer parce que je peux te frapper qu'une seule à la fois. Tu fais un très bon bouclier. Allez, Dai, on prend la quête. Encore. Ça fait environ déjà plus de 2h30 que je suis en train de faire des mobs. J'ai que mastery 372. 2h30 en partant de zéro qu'avec des mobs. Donc franchement, c'est très long. Voilà avec ton T-Trail Crazy Editor. Ah! Moi aussi j'ai un titre, vas-y. SDNI, vas-y. 6.5 hours later. Plus qu'un mob et j'arrive à master 500 là. Allez, 500. Après, je dirais, après 7 heures de farm, je vous jure, je commence vraiment à en avoir marre. Les 100 dernières masteries, c'est toujours les plus longs à farm. Parce que depuis tout à l'heure je farm, est-ce que j'ai reçu mes trucs? Ah mais oui, c'est bon, j'ai fait mes 6000 bonnes en fait. $599 de mort. Allez, le dernier. Allez, Dai, allez, meurs. Non, une dernière. Allez. Non, une dernière. Il est vraiment, vraiment ténor. Allez. Attends, mais... Enfin, Master 600. Oui, j'ai fait 8h et 46 minutes. 8h et 46 minutes de farming. Putain. Hey, bonjour à tous, les amis. Me voici en pleine forme. Après 8h et 46 minutes, enfin, le fameux gun slingshot. J'ai réussi à le finir, Master 600. Sans utiliser la V4, sans utiliser la Rastiborg et sans changer de mob. Ouais, je vais savoir un peu la range, en fait, la distance qu'elle peut aller. Alors, je fais une première move. Ouais, peut-être qu'elle te touche, mais c'est peut-être parce que j'ai pas la key d'armement. Je fais la deuxième move. Oh, la deuxième move, elle va loin. Attends, je m'écarte. Je vais m'écarter à là. Je pars de là jusqu'à là, c'est déjà loin. Allez, hop. Attends, je vais sauter un peu. Pour viser, hop. Wesh. Ok, laisse-moi envoyer une attaque. Je vais te mettre bien. Et que je la lance. Elle arrive. Ah, elle a disparu. On va faire ici. Parce que là-bas, c'est un peu loin. Tellement on va faire ici. Wouah! Non, c'est loin. Je pense que là, c'est le maximum, peut-être. T'es passé à côté de moi. Wouah! Tu m'as touché. Normalement, si je la teste de cette façon-là. Bon, en vrai, je vais la jouer, mais je vais la jouer en sword. Faut d'abord que je change mes stats. Les trois premiers avec tout le gun, je pense que là je suis bon. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different than you think you're gonna get it. J'ai réussi à te choper. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Ooh. And maybe
Aïe, t'es mort avec un screenshot, comme gain, à la honte. Non, il est en train de V4. Il a V4, c'est pas normal. Il a V4. Pourquoi t'as V4? C'était bien pourtant. Allez. Pourquoi il V4, frère? Vous pouvez jamais PVP sans V4, frère. Vas-y, V4, moi aussi. Allez. Wow. Non, 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 je l'ai tué. Enfin. Allez. Oh mon dieu, à la race Angel qui carry, à la race Angel qui carry. Non, il va avec 4. Bah, il y a tout le monde qui veut 4, c'est chiant. Allez, bon. Oh! Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ouais. 5 000. Oh, je l'ai cul. Ah, je l'ai cul par des clics. Mais c'est qui lui là? Il me sert à rien. Il a pas activé son PVP. Il est en train d'activer son PVP. Oh mon dieu. Allez, hop. En fait, vraiment, ce gun il sert à rien. Il est juste là en fait, mais pour décorer. Oh mon dieu, il a pris vraiment un combo de malade. Hop, il a été dépop de la map. Clic, 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 clic. Merci, gars. Non, ouais, j'ai lag à mort pendant un instant. J'ai lag de malade. Tellement, c'est quoi ce setup, frère? Mais comment vous m'avez trouvé? Ouais. Oh là 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 là, c'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec des joueurs shop. Die. Aïe aïe aïe. Et dire qu'il avait shop et j'avais une gun de merde. Bien, après tous ces PVP, franchement, c'était une dinguerie de PVP avec cette gun. Vraiment, le screenshot, c'est pas vraiment fait pour PVP. Pas du tout, pas en tant que gun user, c'est vraiment le pire gun. Donc, si vous voulez le jouer, jouez-le en tant que Swordman. Ouais, Swordman, je pense que c'est plus stylé de le jouer. Les attaques, ça fait pas beaucoup de dégâts, et c'est très galère pour frapper quelqu'un. C'est juste fait pour farm. Quand on vient de commencer Bloodtree, ben, on a vraiment pas le choix, on a envie d'un gun, donc du coup, il est très intéressant quand tu commences le jeu. C'est la première fois que je l'utilise, parce que comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo, j'ai commencé de masterer 1. En plus, moi, je l'ai masteré 1. À masterer 600. Enfin, Master 600. Et ça m'a pris environ en tout 8h46. Et je vous avoue quand même que c'était très 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 galère de faire tout ça. Sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Dans tous les cas, je cherche des défis encore plus compliqués que ce que je viens de faire. En tout cas, si vous avez des concepts à me conseiller et que vous voulez les voir être réalisés, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Bon, sur ce, let's go.